La densification serait probablement une meilleure stratégie en termes de développement durable parce qu'on détruit moins de territoires. Puis les territoires, c'est ça qui donne l'habitat aux autres espèces, mais l'habitat pour nous aussi. Ça offre plein de services d'écosystèmes, donc par exemple les forêts qui clarifient la qualité de l'air, justement, les cours d'eau, toutes les zones humides qui abritent la biodiversité, qui nous donnent accès à l'eau potable. Au Canada, on est tellement chanceux. Si on n'arrête pas de s'étaler quand on construit les logements, ben éventuellement, on construit proche des lacs, on pollue l'eau des lacs. Là, dans le fond, on nuit à la qualité de l'eau. Là, on perd notre eau potable.